Bonsoir, donc je viens de rentrer de vacances et j'ai trouvé donc ces paquets dans ma boîte aux lettres. Et du coup je me pressais parce que j'ai trop envie de les découvrir et de les ouvrir. Je sais ce qu'il y a dans certains, mais j'avoue que je ne me rappelle pas du tout. Donc de toute façon, vous le savez déjà certainement. Donc, je vais commencer par celui que j'attendais peut-être. Enfin, il y en a deux, il y en a plusieurs. Mais écoutez, on va commencer par le premier. Donc, celui-ci où j'arrive déjà à lire ce que c'est. Donc, c'est le. Comment on s'appelle? Je pense que c'est le Zili Tarot. Donc, le Zili. Zilich Tarot, bah, du coup il arrive comme ça, il y a un plastique là, une petite boîte métallique. Donc je vais essayer de l'ouvrir. Ça va être vraiment un unboxing très rapide. Donc, le Zilich Tarot, on a la petite guidebook. Là, normal, je vais pas trop m'étaler, mais c'est en anglais. Est-ce qu'il y a du français? Je crois qu'il n'y a pas de français. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. Donc, c'est un artiste allemand. Voilà. Et donc, encore du plastique autour des cartes. Je vais essayer de les retirer de façon très délicate, comme d'habitude. J'ai pas envie d'abîmer. Hop là. Donc, voici les cartes. Donc la tranche normale, le dos, et je vais vous montrer juste quelques cartes. Alors la qualité, c'est du carton normal sans plus. Voilà. C'est sympa. Moi je l'avais vu dans une vidéo. Et je trouvais le style très sympa. Ça change un petit peu. Et c'est surtout cette carte-là qui m'a fait acheter ce jeu. C'est vraiment la carte que j'ai adorée, l'ermite. Donc c'est en anglais. C'est vraiment, j'aime beaucoup les couleurs, l'ambiance de ce jeu. Et le diable. Il a son style. Donc, je vous ferai une présentation. Hop là. Une petite review. Dès que j'ai le temps, dès que je l'aurai aussi un petit peu regardé. Voilà pour le premier tarot. Le deuxième. Là, c'est plus facile. Toujours avec ma délicatesse. Excusez-moi, je vais faire. Alors, donc, bon, voilà, ça arrive dans la petite pochette comme ça. Hop, avec un dé. Et la boîte avec le plastique encore que je vais retirer hors caméra parce que sinon, ça va pas être joli, joli pour vous. C'est assez solide du coup. Bon. Hop là. Bon. Les unboxing c'est bien, mais du coup vous voyez tous les coulisses. Mais au moins vous voyez que le plastique il est bien solide, il tient très bien. Voilà. Synchronicity. Cathy Nichols. 70. Cette carte,
Alors, ça s'ouvre comme ça. Voilà, il y a un petit... il y a une petite coupure ici pour pouvoir l'ouvrir facilement. Pour en fait, le retirer facilement. Donc voilà. Très jolie la boîte. C'est une boîte classique en fait. Voilà. Donc on a un petit guidebook rapide. Plein de couleurs. Des tirages. Et on a les cartes avec beaucoup de couleurs, j'adore. Donc les tranches sont normales et donc le dos il est comme ça, hein. Très joli. Ça fait... Ouh, explosion de couleurs. Alors je vais vous montrer juste quelques cartes de artist, attraction, beauty, blocked, bloom. Bravery, Brother, Change, très joli, Child, Communication, Community, oh. Eagle, Fate, Father, très joli, avec beaucoup de couleurs, ça. Hand, home, trop joli ça. Imagination, in tune. Je vais vraiment vous montrer juste comme ça rapidement un petit peu l'ambiance du jeu. Je trouve que c'est vraiment. Alors, la qualité des cartes. Ça va, c'est une bonne qualité, je crois. C'est pas trop épais ni trop fin. Je pense que ça tient, c'est satiné. Voilà, voilà pour Synchronicity que j'aime beaucoup. Je suis très contente d'avoir reçu. J'étais impatiente d'ouvrir le paquet. Voilà, voilà. Ensuite, je vais ouvrir aussi sur le côté. Vous évitez les... Alors, voilà le carton. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ah oui. Celui-là aussi, je l'attendais. Pardon pour le bazar que je fais. Hop là. Donc, le... ça, on n'en a pas besoin. Mystic Sisters Oracle Deck. Sorry, I don't have time today. Booked. Sympa. Ok, super. Alors je vais l'ouvrir pareil sur le côté. Parce que... Donc voilà, petit plastique pour protéger la boîte. Très joli. Très très joli. Très beau, très très beau. C'est en anglais. Ok. Alors, je vais ranger celui-ci un petit peu dans la boîte pour pouvoir, hop, laisser un peu de place. Si j'y arrive. Désolée, mais c'est compliqué. Voilà. Bon, je vais peut-être le fermer après. Voilà. Donc. Ensuite, un petit tour à l'intérieur de la boîte. Elle est assez rigide, donc
C'est pas la plus rigide des boîtes, mais elle est pas mal. Elle est pas mal. Plus elle est petite, donc c'est pratique. Ça prend pas beaucoup de place. Donc j'enlève le petit plastique, pareil. Ça, c'est le dos des cartes. Il est beau. Ça, c'est mat. Et les coins sont comme ça, presque pointus. C'est assez grand. Par rapport aux éliches, c'est assez grand. Pas mal. Les cartes sont pas trop rigides. C'est qualité. Voilà, c'est un peu fin. Voilà les tranches normales, sans plus. Ensuite, donc, je vais vous montrer pareil quelques petites cartes. Je découvre avec vous, hein, avec Aphrodite, Artemis. Goddess, très jolie. Cérès. Charme, en fait, Ishtar. Sinus. Tarantella. Dragon Goddess. Très jolie. Eris, Gaïa. Hécate. Donc ça, c'est un jeu qui est très beau, esthétiquement déjà. Après, j'ai pas encore travaillé, ça c'est la même. Red Queen, j'ai pas du tout, je sais pas ce qui m'attend. Donc, je vais remettre dans la boîte. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Peut-être que sur la boîte, on a un petit résumé, mais bon, ça va être en anglais. Mystic Sisters of Republic invites you to join the Mystic Sisterhood of Goddess and Mythological Archetype. Donc, c'est les déesses et les archétypes de la mythologie. Mais laquelle, je ne sais pas trop. Je pense plusieurs, en fait. Voilà. Donc, mon troisième jeu commandé est arrivé. Donc, je suis très contente. Donc, je vais ouvrir. J'ai pris un paquet, mais je suis pas sûre de moi, là. Ok, le quatrième paquet n'a rien à voir avec le reste. Je sais pas ce que je pensais. Mais donc, voilà les trois jeux que j'attendais qui sont là. J'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu. Et donc je ferai des reviews et des présentations de chacun de ces jeux dès que possible. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.